Livre d'Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 25, 24, versets 4 à 5 AB, puis 6 à 7, et 8 à 9. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Parole du Seigneur. Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ?» Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Parole du Seigneur. Le commentaire de l'évangile d'aujourd'hui porte sur les collecteurs d'impôts et les prostituées qui entrent avant vous dans le royaume de Dieu.
Comme le dit saint Clément d'Alexandrie, quiconque se tourne sincèrement et honnêtement vers Dieu est accueilli à bras ouverts. En effet, Dieu est toujours prêt à embrasser un enfant qui regrette vraiment. Cependant, la vraie repentance signifie que vous ne répétez pas les mêmes erreurs, mais que vous éradiquez complètement de votre âme les péchés qui, selon vous, justifient la mort. Une fois ceci parti, Dieu résidera à nouveau en vous. Comme le dit l'Écriture, Dieu et ses anges se réjouissent énormément lorsqu'un pécheur se repent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Je veux l'amour, pas le sacrifice. Je ne trouve pas de plaisir dans la mort d'un pécheur, mais dans son changement de cœur. Même si vos péchés sont rouges vifs, ils deviendront blancs comme neige. Même si Dieu seul peut pardonner les péchés et effacer les actes répréhensibles, il nous demande également de pardonner quotidiennement à nos frères et sœurs repentants. Alors si, malgré nos défauts, nous pouvons offrir de bons cadeaux, imaginez la générosité du Père des Miséricordes, un Dieu bon et compatissant, toujours patient et attendant notre transformation. Toutefois, la véritable transformation signifie cesser complètement de pécher. En nous repentant, nous exprimons nos regrets pour nos actions passées et demandons le pardon de Dieu. Il est le seul qui, dans sa miséricorde, peut défaire ce qui a été fait et laver nos péchés passés avec la rosée de son esprit. Thank you.